Bonjour les enfants, bonjour les parents, j'espère que vous allez bien en ces jours de confinement. Pour passer un petit peu le temps, car je suppose que le judo vous manque un petit peu, je vous ai préparé une séance avec plein de petites surprises. Donc pour ceci, tu auras besoin bien sûr de ton kimono et d'un partenaire. Donc ce partenaire peut être ton papa, ta maman, ou ton frère ou ta sœur, bien sûr s'ils sont en âge de pratiquer le judo. Et toujours sur la surveillance de tes parents. Ok? Donc, tu es prêt pour cette séance? Ah, oui, tu vois que je suis pas en kimono. Eh bien, ce qu'on va faire, on va compter jusqu'à 5. Et à 5, je vais me mettre en kimono. Ok? Allez, 1, 2, 3. Ah, non, attends, on va faire autrement. Au lieu de compter en français, on va compter en japonais. Tu es prêt? Allez, Ichi. Ni, san, chi, go! Et voilà! Tu me reconnais mieux comme ça, hein, je pense. Bon, très bien. Alors, tu es prêt pour commencer l'échauffement? Alors, ce premier échauffement, comme je te disais, il y aura plein de petites surprises. Eh bien, c'est pas moi qui vais te le faire. Hein. On va aller directement chez quelqu'un. Et cette personne, c'est peut-être une personne que tu connais. Hein. On va le faire avec Lucie. Lucie, tu es prête? Allez, on va chez toi. On va commencer par l'échauffement. Flexion, extension. Adjumé. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Allez, pieds et genoux. 8, 9, 10, 1. Allez. 3, 4, 5, 6, puis 7, allez, 8, 9, puis les genoux, 10. Très bien, Lucie, tu as fait un superbe échauffement. Hein, et je vois que tu avais plein d'admirateurs en plus. Hein, plein de doudous autour de toi, c'est super. Maintenant, deuxième échauffement. Et là, on va aller directement chez Léna. Allez, on te regarde. Merci Léna. Allez, troisième échauffement. Cette fois-ci, nous allons aller avec Valentin. Et je crois bien que Valentin est accompagné de son frère Thomas aussi. Allez, c'est parti. Bonjour, avec Thomas et Valentin, nous allons vous présenter un petit exercice d'échauffement. Le but, c'est d'écarter, l'adulte va écarter en grand les jambes, va faire travailler ses abdos et Thomas va nous démontrer des petits sauts de cabri à l'intérieur des jambes. Cet exercice va durer 30 secondes. C'est bien les garçons, on voit que vous avez la forme. Alors, exercice suivant. Cette fois-ci, vous aurez besoin d'un ballon. Et on va aller chez Peyo, qui va être accompagné de sa sœur Monali, pour ce quatrième échauffement. Allez, on vous regarde. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4. 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 30. Bravo! Bye.
très bien les enfants, c'était un échauffement bien dynamique. Maintenant, c'est au tour de Grégoire et de son papa de nous montrer ce dernier échauffement. Bienvenue. Bonjour, vous êtes au dojo Ribet. Allez, on salue. Ok. Allez. Échauffement. Bon, je suppose que vous avez bien échauffé maintenant. Alors, après ces échauffements, nous allons passer à l'otchikomi. Alors, vous savez tous ce que c'est que l'otchikomi. Bon, les parents, je vais peut-être vous expliquer parce que vous ne connaissez pas ce petit mot. Donc, otchikomi veut dire répétition du même mouvement. Donc, chaque enfant que vous avez vu vont vous démontrer une technique que vous devrez répéter pendant 30 secondes. Et bien sûr, le but, c'est de faire un maximum d'entrées pendant ces 30 secondes. Donc, pour cette première technique qui va nous être démontrée, avant par le papa ou la maman, et ensuite, ça sera à l'enfant de le faire. Allez, c'est parti. Lucie, c'est à ton tour. On y va. Otchikomi sur Ippon Zuinage. Alors, pied droit, tu tournes, tu tires la manche et tu fais la force avec le bras droit. Yeah. Et tu reviens. Tu tournes, tu tires la manche, tu fais la force avec le bras droit. Et tu reviens. Hajime. 1. 2. 3. Bloque avec ton bras droit. 4. Bloque. Voilà. 5. 6. 7. 8, 9, 10. Très bien Lucie, c'était un joli Ippon Seonage, qui est un mouvement d'épaule. Donc, c'est pas fini Lucie. Maintenant, tu vas défier ta maman et tu vas lui demander de faire un petit exercice. Elle doit te soulever un maximum de fois pendant 20 secondes. Tu es prête? Allez, on vous regarde. Premier mouvement, on prend le partenaire et on se lève. 1, 2, 3, 4, 5. Deuxième mouvement, on allonge le partenaire et on se lève. 1, 2, dos bien droit, on baisse les genoux et on sourit. 4, bien Lucie. Alors, maintenant, on va passer à la deuxième technique. Cette technique va vous être présentée par Léna qui va nous faire une démonstration sur Osotogari qui veut dire grand fauchage extérieur. Toujours une petite explication par son papa. Et ensuite, ça sera à Léna de faire cette entrée de mouvement un maximum de fois pendant 30 secondes. Vas-y, c'est à toi. C'était très très bien. Et maintenant, tu vas défier ton papa. Hein? Allez, je te laisse faire le défi avec lui. Et sois super forte. Allez, c'est parti. Ça part.
Rafi. Stop. Bon, ça va, vous avez toujours la pêche. Parfait. Maintenant, on va passer à la troisième technique. Pour ce mouvement au Chigari, on va d'abord commencer par une petite démonstration. Valentin, va te mettre là. Une déposition au niveau de la garde. La main sous le coude. La main droite au niveau du col. Ensuite, au niveau des jambes, on va rentrer pied droit au milieu de ces deux jambes. Notre pied gauche va ensuite venir exactement ou même remplacer le pied droit. On va se baisser, parce que le but du jeu étant de descendre au maximum. On va ouvrir l'arc et on va venir balayer la jambe droite. Un petit mouvement de balayage. Maintenant, Valentin va faire un petit oshikomi de 30 secondes. Thomas, tu nous chronomètres ? Vas-y, mais. Alors, n'oublie pas les mains. Tiens, pousse ce bras. Ouvre bien. Très bien, allez, maintenant, place au défi. Il me semble que le papa va être défié par les deux enfants. Allez, flexion, extension pendant 20 secondes. Et on lâche rien les enfants, hein. C'est parti. Merci Thierry pour le défi, hein, parce que voilà. Et ben, maintenant on va faire défi par enfant, 20 secondes, flexion, extension. Vous me donnez le top, les garçons. Super. Et oui Cyril, Valentin a raison. Pour dire arrêter, il faut dire mater. Hajime veut dire commencer. Bon, allez, on place maintenant au quatrième mouvement. Et ce mouvement, je crois bien, va être démontré par mon ami. Et là, ce mouvement, peut-être que certains ne connaissent pas, il s'appelle Ochimata, qui est un fauchage de dos, un fauchage entre les jambes du partenaire. Allez, c'est à toi, Monali, avec une petite démonstration du papa avant. Alors, Ochimata. Hop, on prend la garde classique, écarte un peu les jambes, j'avance ma jambe droite, je tire ton bras gauche, je regarde loin là-bas, je colle ta tête à moi et je fauche. Ok, donc comme il y a une différence de gabarit, on va se mettre, je vais descendre d'un cran. Je mets un genou par terre, l'autre en l'air. Allez. 1. 2. Tu fauches. 3. 4. Super. 5. 6. Combien la tête ? 7. 8. Allez, fauche-moi bien sur le dos. 9. Et 30. Ouais. Allez, on se salue. Viens. Allez. Viens. Allez. Merci. Très bien, mon ami. Bien, maintenant, ça va être le défi parent. Il me semble que tu vas défier ton papa, avec PO bien sûr, sur des pompes. Bien sûr, les enfants un peu plus jeunes, vous faites les pompes sur les genoux. Hein, et vous en faites autant que le papa pendant 30 secondes. Ou votre maman, bien sûr. Allez, prêt ?
est parti pour 30 pompes. 30 secondes de pompe. Prêt ? Oui. Allez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 20, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 29. Et... Arrête ! 30. Bravo. Arrête de mytho, t'en as pas fait 58. Bravo. T'es un mytho. Ok, allez. J'en ai fait 58 et arrête de pas me croire. Allez, on se salue. Allez. Bravo. Eh bien, quelle pêche la famille Diao. Allez, place au cinquième mouvement. Et ce cinquième mouvement vous sera présenté par Grégoire, qui sera Morote Seonage. Donc Morote Seonage est un mouvement d'épaule. Allez, c'est à vous. Donc nous continuons l'entraînement. Nous allons réaliser comme exercice un Ichikomi sur la prise de Morote Seonage. Donc Morote Seonage, c'est une projection sur l'avant. Donc garde à gauche, puisque Grégoire est gaucher. Donc on monte le col du kimono avec la main gauche. Et avec ton coude, tu passes sous les selles et tu te penches et tu projettes en avant. Alors tu peux faire soit les genoux pliés, soit, mais on n'a pas de tapis, te mettre carrément les genoux au sol. Voilà. Donc nous allons attaquer l'ichikomi sur 30 secondes. Donc il va répéter ce mouvement en 30 secondes le maximum de fois. Ajime ! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Très bien Grégoire, tu as fait un joli Morote Seonage. Vous avez remarqué que Grégoire fait ses mouvements à gauche. Et savez-vous qu'on dit droite et gauche en japonais? Non. Donc droite se dit Migi et gauche se dit Hidari. Voilà. Allez, place au défi maintenant. Et je crois bien qu'il a sa petite sœur qui va faire le défi avec lui. Ou plutôt sa grande sœur. Allez, c'est parti. Donc dernier exercice de l'entraînement, donc c'est le défi des familles sur du jumping jack pendant 20 secondes. 3, 2, 1, partez. Terminé. Grégoire, t'en as fait combien ? 28. Jérôme ? 27. Oriane ? 31. Donc la gagnante, c'est Oriane. Voilà, super. Au revoir. Merci pour l'entraînement, à bientôt. Super, quelle pêche tous les trois. Et voilà, la séance est terminée. J'espère que vous avez passé un agréable moment. Et n'hésitez pas à reproduire cette séance dans la semaine, de façon à améliorer votre technique. Également, à la fin de cette vidéo, tu retrouveras un récapitulatif de tous les exercices qui t'ont été proposés. Dernière chose, au cours de ta séance, tu devras faire une photo de toi. Et cette photo, tu vas l'envoyer à mon adresse mail qui est marquée juste là. Voilà. Et ensuite, toutes les photos que j'aurai reçues, je vais les exposer au club dès que tu feras ton retour sur le tatami. T'es ok ? Ça marche, super. Bien, eh bien écoute, on va se dire au revoir. Et pour ceci, on va se faire le dernier salut. Donc je te laisse le soin de faire le ré. Le corps bien droit. Allez, je t'écoute. À bientôt !